sommes dimanche, le 7, je pense. 7 avril. Oui, le 7 avril. Et je vais vous faire un petit update de la nuit. Ça a quand même été l'été pour vrai. J'ai allaité vers. Comme. Je me souviens plus. Vers 7 heures. C'est ça, 7 heures? Je me souviens plus trop. Je vous l'ai sûrement dit dans le vlog d'hier. Vers 7 heures. Puis après ça, je me suis endormie sur le divan à 8h30. Je me dis ici. Pendant qu'on écoutait dans une galaxie près de chez vous. Alors là, j'ai dit à maman que je vais monter me coucher d'un coup que le petit. Enfin, j'attendais qu'il. Tu sais, j'attends tout le temps qu'il allait être le plus tard possible. Qu'il boit le plus tard possible pour me coucher après. Mais là, il était comme rendu tout à nuit. Puis j'étais là d'un coup qui fait genre un 4-5 heures. J'en profitais du petit 2 heures qui me reste pour aller me coucher. Fait que je suis montée. Finalement, je me souviens pas si j'ai allaité. Mais il a vraiment bu aux 4 heures. Puis dans le fond, à son bord de 4 heures du matin. Zoé, elle s'est réveillée, puis là, elle voulait qu'on dorme avec elle. Fait que là, j'ai dit à mon chum, endors Axel. Puis Eléa est venue nous rejoindre, 5 max. Dans le fond, je suis venue allaiter en bas. Puis je vais juste me tasser là. Je suis venue allaiter en bas parce que là, j'ai recommencé à écouter les vlogs, le vlog mag d'Alex Larouche. Donc, puis en haut, j'ai comme pas une télé intelligente. Fait que je suis descendue en bas l'écouter. Fait qu'il est super bien bu. Fait que là, j'étais là, OK, c'est sûr qu'il va au moins dormir un 3-4 heures. Quand je suis revenue, Eléa était dans mon lit. J'étais comme, Max, c'est quoi ça? T'sais, parce que là, Axel, il dormait comme, tu sais, comme je vous disais hier, entre nous deux, mais comme d'une façon sécuritaire dans son genre de coussin d'allaitement, en tout cas. Bref, c'est ça. Puis là, elle était là. Fait que là, j'étais comme, merde. Fait que là, j'ai dit à Max, Zoé pleurait. J'ai dit, prends Axel, essaie de l'endormir dans son Moïse pour la première fois. Puis moi, je vais aller me coucher avec Zoé. Tu sais, on dirait que vu que je donne moins d'attention, peut-être qu'elle est pire à cause de ça. Fait que je suis allée me coucher avec elle, j'ai chanté des chansons un peu. Quand je suis revenue, Axel avait le hoquet. Fait que j'ai fait, ah, laisse faire, je l'ai rappé comme j'ai fait à l'INU à l'hôpital, puis la première nuit à la maison. Tu sais, c'est comme, ils te mettent le bébé vraiment ici. Puis là, j'ai pris un long drap, puis c'est vraiment, ils te le passent par-dessus, à l'arrière, puis là, tu fais un nœud pour que ce soit le plus serré possible, puis tu fais deux nœuds. Fait que peu importe si tu bouges pendant la nuit, ils disent que c'est sécuritaire, puis en effet, je le sens sécuritaire. Puis comme ça, il dort au moins 4 heures parce qu'il se sent encore comme s'il était dans mon ventre. Là. Fait que tu sais, on dirait, je me suis même pas posé la question. Ah, oh, s'il dort avec moi, il dormira jamais dans son lit. Fuck off, c'est mon dernier. Puis sérieux, je suis tellement bien comme ça. Puis tu sais, on s'entend là. Eléa, on dirait que j'ai fait les deux. Eléa, à 3 semaines, elle dormait dans son lit, elle faisait ses nuits. Puis Zoé Lou, à 2 ans, elle dormait encore avec nous, elle faisait pas ses nuits. Fait que tu sais, on s'entend que. Peu importe ce que je fais, là. Puis gardez aujourd'hui, les deux, ils dorment. Là. On sent. Ben, ils dorment. C'est un grand mot. Alors, c'est ça pour la nuit. Ça, après ça, j'allaitais à 4 heures, puis il s'est relevé à. Non, à 3 ans et demi, j'ai commencé à allaiter parce que c'était à 4 heures qu'il dort comme. Il boit comme 25 minutes, une demi-heure à peu près. Puis après ça, c'est là que Zoé s'est réveillée. Fait que dans le fond, il a bu à 7h30, à 4h30, puis s'est relevé vers 7h45, 50. Même pas. Il commençait à bouger, puis là, j'ai dit de toute façon. T'sais, je recevais ce matin, fait que je dis, faut pas, je me lève trop tard. Fait que je me suis levée, on a changé sa couche tranquillement, puis tranquillement, pas vite, il s'est réveillé, puis à 8 heures, comme je l'ai allaité. Là, il est rendu 9 heures. Et ce matin, je reçois des amis, comme je vous disais hier, pour un petit brunch. Max est parti avec Eléa au cours de danse. Et moi, je suis avec la grosse. Dis-tu bonjour aux amis? Qu'est-ce que t'écoutes? Dis, qu'est-ce que t'écoutes? Qu'est-ce que t'écoutes à la télé? Dis aux amis, qu'est-ce que t'écoutes? C'est quoi le film? Voyons, t'es dormi dans la lune. C'est quoi le film? Bon, elle a mis ses bottes de pluie. Qu'est-ce que t'écoutes comme film? C'est bon. Dis-le comme il faut. C'est Mané. Hôtel Transylvanie. Puis le petit Axel, il fait dodo. Je l'ai mis, c'est rare, là. En fait, c'est la première fois que je le mets dans sa balançoire aussi longtemps. Il a tellement l'air bien, puis moi, j'avais comme le ménage à faire et tout. Fait que ça a super bien été. J'avais une méga. J'avais comme deux brassées à plier. Fait que là, mon divan de brassée, on l'appelle comme ça ici, hein. Et il est propre. Fait que ça fait du bien. Fait que là, je vais monter ma table. Je m'occupe pas de grand-chose, là. Les filles, ils voulaient pas que je m'occupe de grand-chose, là. Ils sont de même, là. Tu viens d'accoucher, là, déjà que tu reçois, mais là. Fait que je m'occupais genre du jus d'orange, du café. Je vais sortir le Baileys. J'ai un Baileys normal, puis un Baileys
épices d'automne. Là. Moi, c'est vraiment mon préféré. Ça goûte comme le latte du... vous savez que j'aime fou le latte du Tim Hortons. Puis, mais encore meilleur avec l'alcool. Fait que c'est ça. Puis, des gaufres. Et aussi, moi, je fais tout le temps un truc de chocolat favori, là. Puis, une de mes amies, elle aime pas le Dolce de Leche. Fait que on achète, genre, le fondant praline quand que... noisette. Mais je trouve qu'il goûte vraiment plus le... Moi, je m'attendais à ce qu'il goûte le... Voyons, le... Qu'est-ce que c'est ton noisette? Le Nutella. Mais non, il goûte comme plus, lui, au chocolat au lait. Je me suis mis aussi mon petit chou, mais mon autre, là, je vous avais montré hier. Puis, Zuzu aussi, elle a son petit chou. Montre ton petit chou. Ouais, en tout cas. Fait que c'est ça. Puis là, Axel, pour vrai, je me suis rendu compte que j'ai vraiment zéro linge nouveau-né. C'est l'enfer. Fait que aujourd'hui, je pense que pendant la sieste, je trouve ça dur parce que, tu sais, là, il y a des journées que... Le nez qui coule. Il y a des journées qui est en poussée de croissance. Fait que là, j'ose comme pas aller au magasin. Puis ça me semble pas de partir au magasin avec puis aller l'allaiter au Walmart. Mais j'aimerais ça aller y acheter comme au moins 5-6 pyjamas nouveau-nés parce qu'il y a plein de petits ensembles, là, vraiment tout petits, des mini leggings avec ça. Mais, tu sais, on s'entend, là, ils sont vraiment mis en pyjama. Surtout la nuit, là. Puis là, à chaque fois que Max, il change, je sais pas, là, il est tout le temps obligé de changer de kit, là. Je sais pas si c'est parce que ça donne que... Genre, tu sais, on n'est pas habitué avec un gars, là. Faut-tu descendre le petit pénis à chaque fois? Fait que si on oublie, c'est sûr qu'il salit son pyjama. En tout cas, histoire de mom of boy, ça a l'air. J'ai encore de la misère à dire mon gars. Je l'appelle plus Axel que mon gars parce que je suis tout le temps, OK, go les filles, mais là, faut comme dire les enfants. On pack les enfants puis on s'en vient. En tout cas, c'est de l'adaptation. Puis c'est ça, en espérant qu'aujourd'hui, ça soit une vraiment meilleure journée que le reste de la semaine. Parce que, pour vrai, comme je vous disais hier, Max, il est vraiment découragé. Puis je trouve ça poche, là, parce qu'on s'entend que je veux pas qu'il arrête d'avoir eu 3 enfants. Faudrait que je fasse le ménage de ça aussi. Pas aujourd'hui, là, peut-être demain. Là. Demain, les enfants vont à la garderie. Et, en tout cas, je vous dirai tout ça demain, tantôt, qu'est-ce qu'on fait demain. Alors, je vous laisse. Je pense pas vraiment vlogger quand mes amis vont être là. Je vais plus de profiter de leur présence. Puis c'est sûr qu'ils vont se garocher sur Axel, là, j'y connais. Alors, je vous souhaite une bonne journée. On se revoit tantôt! Allô? Qu'est-ce que ça met comme chanson? Je sais pas si mon compte qui est parti, c'est la musique pour endormir les filles. Là, aujourd'hui, est-ce que t'es content, Maxime?
Yeah. C'est une belle journée. Oui, quand même, ça a bien été. Mais pas quand même, ça a bien été. C'était vraiment une belle journée. Il est rendu 3h30. Mais le magasin va fermer. Ouais, on s'en va au Walmart. Je vous disais tantôt, je voulais acheter des pyjamas. Voyons, qu'est-ce que tu fais? C'est parce que c'est la musique qu'on met aux enfants pour dormir. Je vous disais que je voulais acheter des kits newborn. Puis finalement, mon amie, une de mes amies qui est venue pour le brunch, m'a amené deux boîtes. La marraine d'Axel a amené deux boîtes deux boîtes de couches pleines de linge. Puis finalement, on a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de morceaux. Tu sais, t'es comme là, d'après moi, c'est du vieux linge parce que son gars, il va avoir 5 ans. Puis finalement, on s'entend, c'est des pyjamas Carter's. Là, même si c'est un peu kitten, ça reste des pyjamas. Puis on en avait vraiment pas. Puis à chaque fois qu'on le change, il nous fait tout le temps un pipi pompier. Fait que à chaque fois qu'on. Je pense qu'on le change quoi, 4 fois par jour, genre. Fait que c'est ça va fait faire. Ça fait qu'à peu près 4 kits. Fait que là, je veux bien craindre que mon gars est à mode, là, mais à un moment donné, des petits pyjamas, ça reste des pyjamas. Donc là, on a promis aux filles, vu qu'ils ont été gentils, qu'est-ce qu'on s'en va acheter? Un casse-tête. Un casse-tête pour Eléa. Puis Zouzou. Un gobelet, parce que là, vous savez, là, Zoé avait retrouvé un biberon, fait que là, elle était rendue qu'elle buvait dans un biberon. C'est pas quelque chose qui nous dérangeait tant, mais là, à un moment donné, fait qu'on va acheter un... On va essayer de trouver quelque chose entre les deux, là, que pour qu'elle pense que c'est un biberon de bébé, mais que c'est un gobelet, là. On va aller magasiner ça, on s'en va chez Walmart, puis en même temps, on va aller se chercher à souper. J'avais vraiment le goût de manger une salade. D'un moi que les filles aient d'autres idées. Il est là. En tout cas, c'est ça, on va aller chercher une petite salade César. On va se faire une salade César au poulet. C'est ça, ce matin, c'était le fun. Même, on a même eu le temps de bruncher tranquille. Parce que Max est arrivé des cours de danse avec Eléa. Puis après ça, ils ont mangé un peu avec nous. Puis après, ils sont allés jouer à cache-cache. Puis Axel, il dormait. Axel, il boit vraiment bien aujourd'hui. Ben, il boit bien depuis le début, mais vraiment comme 4h30 entre chaque bourre aujourd'hui. Fait que j'ai vraiment eu le temps de profiter de jaser avec mes amis. Puis ce sont. Ben, une de mes amies, elle l'avait pas vue encore, elle s'est gâtée. Elle l'a pris tout le long. Fait qu'elle était bien contente. Mais moi, on dirait que je me suis ennuyée vu que je l'avais comme pas pris de l'avant-midi. Donc là, on se dirige vers le Walmart. Puis les filles, il faut qu'elles soient fines pour qu'on achète les choses, hein? Oui. La casse-tête. Un casse-tête de quoi? Je sais pas. On va voir parce qu'on sait pas les casse-têtes qu'il y a. Puis Zouzou, un gobelet. Ouais. Oui. Oui, qu'est-ce que c'est? Ou soit les pyjamas. Ben là, je sais pas qu'est-ce qu'il va avoir. Alors, on s'en va, on se dirige là. On est vraiment. Oh, il y a des chevaux. C'est vraiment drôle, il y a des chevaux, nous, sur. Attends. On habite un peu en campagne. Ben, je suis pas sûre qu'il y en a. Alors, c'est ça. On se voit tantôt en espérant qu'au magasin, ça allait aussi bien, mais. Tu sais, pour les journées de mal qu'on a passées depuis l'accouchement, là, on est vraiment contents. Ça joue sur le moral, puis il fait full beau en plus. Fait que Maxime, il met. Nous sommes de retour à la maison. Il est passé 5 heures. On a eu une petite épopée. Maxime, tu veux-tu nous conter les. Ici, il n'y a jamais le bon éclairage. Non, hein, l'éclairage est sud-sud-est. Ça prendrait un éclairage nord-sud. En fait, on a fait l'épicerie, puis on a acheté une coupe d'affaires, puis en arrivant à la caisse, moi, j'avais pas amené ma sacoche. Vous savez comment je pars tout le temps les mains vides. c'est ça. Fait que je pars tout le temps, pas de sac à couche, rien. Là. On allait juste au Walmart. Fait que de toute façon, je pense que même s'il y avait fait de caca, j'aurais sûrement pas changé, ou en tout cas, bref. Fait que je partais avec rien. Puis là, Maxime, qu'est-ce qu'il a fait, papa? Papa aussi était parti sans portefeuille. Fait qu'on est arrivé à la caisse avec tous nos articles. Et Maxime n'avait pas son portefeuille. Là, pas de stress. Moi, je suis pas grave. On va retourner à la maison. Mais il était 4h30. Et on habite à combien de temps? 14 minutes. Calculé, 14 plus 14. Là, la fille, elle nous a dit qu'on pouvait garder nos choses comme on... comment ça s'appelle, non pas les voies de service? Service à la clientèle. Service à la clientèle, qu'on pouvait comme repasser à 5 heures, mais c'est ça. Fait que finalement, on a le temps. On a vraiment été chanceux. Les lumières étaient comme toutes vertes.
Fait qu'on est, on est arrivé à 54, 55 au Walmart pour récupérer notre commande. Fait que sans tout vous montrer ce qu'on a acheté, je vais vous montrer les plus gros articles en commençant par ça! J'avais on a acheté de... aussi non, un quart de cantaloupe. Hey, non, on a acheté ça. Il était ouvert. Mais... arrête! Bon. Il goûte le but à là, j'avais plus de couches, hein? On sait comment c'est important. Je saigne encore! Axel a juste 4 jours. J'ai acheté aussi ça, sérieux. Moi, là, mes enfants, avant qu'ils réagissent au parfum, j'achetais tout le temps la marque Live Clean que j'achetais au Toys R Us. Puis je me suis rendu compte qu'il y en avait partout, finalement. Mais là, moi, j'avais besoin de nettoyant pour le corps. Et lui, il sent... C'est lui, là. Le apaisant. Il y avait 3 sortes. Zuzu, descends de là. Je vous mets comme sur une boîte, mais elle n'arrête pas de jouer avec. Qu'est-ce que ça sent? Mais ça sent genre la crème solaire dessus. Tu sais, la crème hawaïenne tropique. Puis j'aime ça quand c'est comme en genre de... Tu sais, c'est pas transparent, là, plus style crème. En tout cas, ça. Ah, oh, si, on n'a pas acheté. OK, non, je pensais que c'était numéro 1, mais c'est newborn. Je me souvenais pas qu'un bébé, ça prenait autant de couches que ça. C'est déjà notre 3e paquet et Axel a 4 jours. Fait calculer à peu près un paquet par jour pour ceux qui sont en train d'acheter ça. J'ai acheté aussi un coupon pour bébé parce que, croyez-le ou non, à un moment donné, j'étais dans un shooting photo et c'était un shooting photo pour Let Pool, si je me souviens bien. Et c'était la collection là qui vient de sortir, qui est la collection été. Donc, on a shooté en nu-pied. Je ne savais pas. Et la seule chose que j'avais sur moi, c'était le coupon de bébé. Alors, je l'ai cassé avec mes ongles d'orteils. Fait que là, j'ai racheté ça là, ben simple. En fait, c'est le seul qu'il y avait au Walmart. Fait que j'ai acheté ça. Max, il a acheté ça. Pour se raser la poche, qu'il dit. C'est pourquoi t'achètes eux? Parce qu'il y a rien de mieux qu'un rasoir pour femme pour se rasoir. Ok, ça. Et Zoé, excusez, arrêtez pas. Fait que Max dit que c'est mieux un rasoir pour femme, mais moi, j'aime mieux me raser avec un rasoir pour homme. Bref, un débat. Et j'ai acheté. Zoé, arrête de te vider, V. Occupe-la donc. On a acheté. On avait vraiment le goût, nous, là, quand il commence à être comme le printemps, là, comme je vous disais, on est full salade, mais là, ça me tentait comme pas d'acheter 1 million de légumes. Fait qu'on achète tout le temps la salade déjà toute préfaite. Puis on rajoute du poulet grillé dedans. Fait que le poulet est cuit. Bien simple de même. Aussi, il faisait chaud. Puis je me suis rendu compte que les filles n'avaient pas de manteau. Habituellement, j'aime pas ça les affaires qui éteignent. Mais on dirait que j'avais le goût d'acheter comme maintenant. C'est pas si qui éteignent que ça. Là. C'est comme avec des petits. Puis vous savez, moi, j'aime ça acheter en double. Puis il était juste 17,97. Je sais sûrement que. Un ami sur 4 de la garderie va l'avoir, mais bon. Fait que ça, j'ai pris un 3 ans. Oui! Amenez-moi la donne, Seigneur. À part ça, ça a vraiment été une belle journée. Comme je disais tantôt, même au magasin, ça a vraiment bien été. Là, c'est juste que là, il commence à avoir faim. Il est passé 5h30. Mais ça va bien, Léa, s'acheter un nouveau casse-tête. Puis, c'est vraiment. Es-tu bonne, B? Oui, vraiment. C'est comme 3 casse-têtes qui ont toutes mis dans le même sac. La seule différence, c'est le dos. Qui est comme je vais vous montrer là. Regardez. Monte ton casse-tête. En tout cas, elle est vraiment bonne, hein? Elle a genre 3 ans puis elle fait des casse-têtes. C'est combien de morceaux? 49 morceaux. C'est ça. Comme je vous dis, ils mettent toutes dans le même sac. Oups. Mais à l'endo, comme la couleur est différente. C'est ça. Donc, c'est ça. Leur petit manteau de printemps, c'est vraiment fifi. Là. C'est vraiment pas mon genre d'habitude, mais là, je trouve ça cute. Puis Léa, elle avait déjà des pantalons de neige rose fuchsia. Des pantalons de printemps. Puis Zoé, j'ai acheté la couleur qu'elle avait avec. C'était comme 8$. Fait qu'on s'entend que 17,97 x 2 plus 8$ sont habillés pour le printemps. Puis ils ont déjà des bottes de pluie. Je sais pas trop si. On leur achète des bottes de printemps aussi. Alors, vous me direz si vous achetez. Vous me direz si vous achetez en commentaire des bottes de printemps aussi. On dirait que je me souviens pas. Les filles, il y en avait quand elles étaient vraiment petites, mais là, si on débat depuis. En tout cas. Puis, qu'est-ce qu'on a acheté aussi? Oh, on a acheté des popsicles. On a choisi. En fait, j'ai dit aux filles, on peut acheter des popsicles, mais c'est moi qui choisis. J'ai fait choisir entre. Bon, mon Dieu, Seigneur. Excusez. Je vais vous les montrer comme ça, là. Les classiques, c'était ça ou, tu sais, les fusées, genre. Turquoise, rose et blanc, là, mais j'ai donné juste ces 2 choix-là parce que j'avais le goût des 2. Puis Léa, elle a choisi eux, puis en plus, il y en a plus. Fait que...
est bright, est bright. On a acheté aussi, vous savez comment j'aime le, l'eau pétillante. Puis il y a un abonné qui... Hey, à jour avec un couteau. Oh non, c'est juste le, l'étui. Faut s'alerte. Au Walmart, il y a vraiment moins de choix pour l'eau pétillante. Puis c'est ça, il y a une de mes abonnées qui me demandait pourquoi je prends pas du San Pellegrino. Ben c'est pour vrai, c'est les calories puis le sucre. Là. Dans le fond, moi, je prends de l'eau Perrier parce que ça coupe mon goût de dessert. Fait que j'irai pas prendre de l'eau gazeuse. Fait que c'est juste pour ça. J'essaie, je vais l'essayer devant vous, là. Parce que vous savez, moi, c'est quoi mon coup de cœur, là? Il s'achète au Maxi. Il y en a plein qui m'ont envoyé sur Instagram qui se vendait au Costco. Mais il n'y a pas ma marque. Moi, c'est quoi? Anana Coco. Fait que si vous aimez les trucs, ça goûte quand même beaucoup le coco, là. Ceux qui n'aiment pas le coco, vous n'allez pas aimer ça. Mais... Ah, tu vois, je trouve que ça ressemble, ça. C'est Nestlé. C'est bon. Mangue, pêche, ananas. C'est ça, c'est aussi à l'ananas. Donc, ça goûte un peu, pour vrai. C'est bon, j'approuve. Donc, c'est le Nestlé au Walmart. Parce que, comme je vous dis, il y avait genre deux. Tu veux parler aux amis? Qu'est-ce que t'as à dire? Non, Zoé, ça c'est comme notre. C'est sûr, vous avez ça chez vous, là, un pot que vous mettez tout dedans, là, genre. Des crayons, des restants de jouets, des allumettes, genre. Hey, Zoé, arrête! Puis ça, ça c'est quoi? C'est pour mettre pour les vents? Là, Eléa, regardez ça. Wow! T'es une super bonne championne. C'est le même. Tape là-dedans. Elle est vraiment bonne. Je suis vraiment fière d'elle. En plus, qu'elle a passé une belle journée. Je suis comme full énervée. Ça a full bien été. On s'entend qu'on est vraiment plus de bonne humeur parce qu'on n'a pas usé notre patience. Donc, c'est pas mal ça pour nos achats. On a-tu acheté d'autres choses? Hey, qu'est-ce que tu fais? Il y avait des fonds. En tout cas, fait que nous, là, qu'est-ce que, là moi, je pourrais, je vais aller me tirer mon lait. Je ne l'ai pas tiré encore. Puis on dirait qu'Axel, il boit jamais à... Il m'évite jamais. Puis une de mes amies, elle m'a fait réaliser... Ben pas une de mes amies, en fait, c'est Max qui m'a fait réaliser. Non, c'est une de mes amies, je me souviens pas. Je pense que c'est Amy. Elle m'a fait réaliser que si je n'évidais pas... Dans le fond, non, c'est pas Max. Dans le fond, tes seins, ils s'adaptent à ce que... Je sais pas comment dire ça, là. Il s'adapte à ce que tu fais boire, en tout cas. Fait que si il boit pas beaucoup, il va... ben il boit beaucoup, mais il évite pas. Je produis vraiment, vraiment beaucoup de lait. Fait que je veux qu'il continue, ça vraiment... Il continue à vraiment produire beaucoup. Zoé! Ben, fait que c'est ça. Fait que je veux qu'il continue. Fait que là, je vais tirer mon lait pour la première fois parce que là, ils viennent de boire comme des deux, mais... sont encore comme full dur. Fait que je veux que ma production a continué à vraiment bien aller. Puis j'ai eu, comme je vous montrais hier dans mon vlog, les trucs de congélation. Fait que je vais pouvoir congeler mon lait pour quand je vais décider à me séparer des bébés, mais ça sera pas tout de suite. Donc là, regardez tout le linge que j'ai reçu. J'ai tout lavé. Le senti full bon. Oh. Je sais pas si je vous ai... Je vous ai dit tantôt qu'est-ce que je prenais? Je me souviens pas. Je vais vous le dire en tout cas. Pour laver le linge. Wouh! Ah, B, on a oublié d'acheter ça. C'est vrai ça. Mais il faut tourner demain, Noé. Fait que, moi, je prends le Purex rose. Mais, la ouais. Ah, oh, fait que oh. Demain, mais on est en congé. Fait qu'on va pouvoir tourner au Walmart demain. Ils vont avoir plus d'argent. Hey, ouais, l'épicerie, c'est, j'aime pas, trop pas ça de ça. En tout cas, il va rien. Mais. C'est ça, moi j'ai tout à trouver ça con, ceux qui disaient combien ça avait coûté à l'épicerie. Mais pour vrai, ça a quand même coûté genre 180. Combien? Quasiment 190? 182? Puis on dirait qu'on n'a rien acheté. Mais je pense que c'est plus les cossins, genre, tu sais, on a quand même les trucs des filles. Puis c'est quand même des trucs, tu sais, ça va vite, là, genre. Je pense que ça, c'était comme 8$. Les Pampers, c'est tout le temps cher. Ça aussi. Ah, puis Zoé, elle a choisi son. Son... Ça aussi, c'est cher des gobelets. C'est cher, on a l'air pauvre de dire ça, mais c'est, je pense que c'est ça le prix, là. C'est juste que c'est rare, j'en achète. Montre. Toi, tes bébés, ça venait en paquet de deux, fait qu'il est à le prix de l'autre, tu sais. C'est eux qu'on a choisi parce que c'est Marc qui les a choisis, puis je trouve que c'est vraiment une bonne idée parce que ça ici, là, elle peut le mâcher. T'as-tu encore le papier? Il cassera jamais! T'as-tu? Puis elle peut vraiment le mâcher, puis il cassera pas, puis tu sais, quand elle a volé le biberon au bébé, en parlant du bébé, là, ok, il tombe. Checker, ça ici.
C'est des munchkins. Je sais qu'il y en a plus. Puis, en tout cas, fait que je vous dirai ce que j'en pense, mais on aime ça aussi parce que la tétée est comme longue. Puis oui, souvent, elle calait ses biberons. Fait qu'elle leur demandait. Fait que des fois, là, on lui donnait comme 3 biberons de lait avant de se coucher. Fait que ça fait du lait en tabarouette. Puis surtout que nous, on donne du lait d'amande souvent. Je trouve que c'est... Je ne traite pas ces produits laitiers, moi, là, à part les yups et les yogos. Fait que c'est pas mal ça, petit poulet. Pour vrai, là, je suis sûre qu'il y a une journée. Je suis sûre à 100%. J'ai hâte que l'infirmière l'appelle. Là, je vais vraiment essayer. Max est allé chercher hier chez mon ami la chaise vibrante. Je vais essayer de le mettre comme face au soleil pour qu'il prenne un peu de teint. Là, ils disent de faire ça, là, vu qu'ils font de la luminothérapie quand que... Fait que c'est ça, là. Ça fait genre 13 minutes que je vous parle. Fait que je vais aller tirer mon lait. Le poulet est cuit. Doucement. On va se faire une salade César. Puis... on va se rejaser tantôt en espérant que la journée continue à m'y aller parce que Maxime est bien plus patient comme ça, hein? Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Non, pour vrai, c'était vraiment une très belle journée. Vraiment. Puis, je vous ai dit que je vous parlerais du jeu de caca aussi. J'ai joué avec Zouzou. Mais j'en ai parlé dans un de mes vlogs. Là, si vous voulez vraiment tous les détails, vous pouvez reculer. Puis je crois que le vlog s'appelle « Jeu de caca ». Mais c'est super le fun. C'est sûr que Zoé, elle comprend moins. Fait que... à pile dans la marde, puis ça finit là, mais c'est des trucs de plastine que tu moules en caca. C'est comme Twister, là, tu tournes, puis là, si tu... si, mettons, c'est 3, les yeux bandés, faut que tu piles 3 pas, puis là, faut pas que tu piles dans la marde. Fait qu'on avait joué au jour de l'an, toute la famille, puis c'était vraiment cool, parce que Léa, elle comprend vraiment bien, mais Zoé, elle avait juste pilé dans plastine. Mais c'est le fun, t'sais, on les remoulait, puis on les refaisait. Donc là, sur ce, je vais aller tirer mon lait avec mon petit... Nesté, puis on se rejoint tantôt. J'ai tiré mon lait, on a mangé, les filles ont mangé un popsicle. Moi, ben, il s'est mis à pleurer quand que je suis venue pour manger mon dessert. Fait que j'ai allaité, puis Max est allé coucher les filles, là, ils viennent juste d'y aller. Parce que ça, tu sais, avec notre épopée du Walmart, on a comme soupé plus tard, on a fini de manger, il était comme 6h30. Puis on leur a permis comme une émission, comme d'habitude, ils ont brossé leurs dents, puis là, c'est ça, je sais pas si ça va niaiser. Mais les deux dernières soirées, si je me trompe pas, ça allait vraiment bien été parce qu'on a été vraiment comme strict de « je te flatte deux minutes, là vous vous couchez, puis pas d'assinage, puis c'est comme ils se sont pas relevés 15 fois. » Fait que j'espère que ce soir, ça va être ça. Là, c'est la voix. Ah, ça, c'est le fun quand tu l'écoutes comme après, parce que tu peux skipper les annonces. Moi, mon chum, on aime vraiment ça. Donc là, par exemple, avant la voix, je veux dire, mon chum qui... viennent profiter de son petit coco parce que pour vrai, je suis vraiment. Comment je dis ça? Je l'accapare. En tout cas, je l'ai vraiment tout le temps parce que je veux tellement profiter. Là, c'est fou. Là. En plus, tout le monde me dit qu'il y a déjà full changé. Et c'est rare. Je pense que la première fois que je vous le montre pas de truc. Il y a beaucoup de cheveux, hein? Il dort bien raide. Il m'a vidé. Donc, c'est ça. J'aimerais ça aller. Aujourd'hui, je me suis maquillée, là, fait que, oh, je suis quand même cernée, mais peut-être me faire un masque, puis j'ai pas les cheveux sales, mes cheveux sont vraiment propres, mais tu sais, quand tu sors de la douche avec les cheveux mouillés, je sais pas si je suis la seule, mais maudit que je me sens propre. Fait que j'irai comme me laver avec mon nouveau savon, je vais sentir le sud. Puis, ouais, je me ferais peut-être un petit traitement de cheveux avec un petit masque. Après ça, on écouterait la voix en triant. Tu sais, voyons. C'est tout le linge que je vous montrais tantôt que mon ami Amy venait me porter. Mais pour vrai, je pense qu'on va être obligé de faire un deux. On a fait un premier tri, des trucs que je trouvais comme plus qu'éternes. Mais je pense qu'on va être obligé de faire un deuxième tri parce qu'il y a comme. Hey, j'avais une pile genre haute de même, chou, de trucs empilés de nouveau-nés, de chou, de 0-3 mois. Fait que c'est clair que je ne mettrais pas.
T'as-tu regardé sa tête comment elle est belle? Ceux qui ont pas. Ben, je pense que vous avez tous écouté mon récit d'accouchement, là, mais c'est comme mon seul bébé qui a pas fait une tête. Tu sais, en genre de compte, parce que quand tu pousses trop longtemps, là, ça fait un connette. C'est pour ça que j'ai eu autant mal au vagin quand il est sorti, parce qu'il voulait garder sa petite tête intacte. Mais ça a fait un beau petit crâne. Il est tellement trop cute, parfait. Puis merci pour ceux qui m'ont écrit pour le petit trou de pète, là, le deuxième petit trou de truc. Mon chum m'a rappelé aussi que c'est parce que ça pouvait causer la spina bifida, en tout cas. C'est vraiment dégueulasse. Allez pas voir ça sur Google. Je sais qu'il y en a plein qui vont aller le voir, mais c'est que ça sort par ça, puis c'est genre un gros mouton. C'est vraiment dégueulasse, mais dans le fond, ils surveillent pour pas que ça fasse ça, puis il y en a qui naissent avec ça. Mais ça pleure. Axel, il n'y a comme pas vraiment de danger de faire ça, mais c'est pour, on va quand même aller voir Sainte-Justine si tout est correct. Mais pour vrai, je suis vraiment pas stressée et inquiète. Hey, ça gosse, mon... Pas fermer la balançoire. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Merci pour ceux qui m'ont écrit. Là. Vous êtes vraiment beaucoup à avoir écrit que soit vous aviez le petit trou à côté du trou de pète ou que votre enfant l'avait et que ça faisait rien. Donc, c'est pour ça que je suis pas vraiment inquiète. Fait que là, j'entends les filles pleurer. Je pense que je vais aller prendre la relève avant d'aller dans la douche. Alors, je vais aller, c'est ça, me faire un petit masque, aller me laver. Je pense que je vais quand même me laver les cheveux, là. Même s'ils sont pas sales, j'ai comme le goût. Puis j'approuve, hein, mais je vous parlais hier des choux, là. Je les aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça fait mom life, pas trop, moins dépeigné. Fait que, qu'est-ce qu'elle veut? Ben, je vais juste aller la flatter 2 minutes, puis... Ça, j'ai fait. Ben, je vais y aller, après. C'est ça, fait que... C'est pas correct, je laisse coucher là, tout le temps. Ouais, oui. En tout cas... Fait que c'est ça, je vous souhaite une belle soirée ou une bonne journée, puis on se revoit à la prochaine.